vidéo, je la fais pour vous. Parce que moi, enfin, j'aime bien les iPhones, mais c'est pas mes téléphones préférés. Mes téléphones préférés, c'est les Samsung. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quel iPhone prendre, même dans un budget de 100 francs, 200 francs, 300 francs. Donc, nous allons commencer avec un budget de, si vous avez un budget, de 700 francs. D'abord, vous marquez iPhone à 700 francs ou à 700 euros. Comme moi, je suis en Suisse, mes francs. Alors, là, par exemple, c'est un iPhone 13. Reconditionné. Bon, si vous voulez un... Ça, c'est avec 699. Ça, c'est un iPhone XR. Très bien aussi pour un budget de 200 francs. Bon, maintenant, nous allons pour... voilà, vous pourrez prendre un iPhone 12. Voilà, un iPhone 12 dans les 700. Pas un 12 Pro Max, mais un iPhone 12 normal. Ensuite, on va mettre iPhone à 600 francs. Donc maintenant, il faut qu'un iPhone ne dépasse pas les 600 euros. Hein, on va mettre... Donc là, 529, un iPhone 14. C'est de l'arnaque quand même. Je sais pas si c'est vraiment bien d'acheter ça. Bon, au niveau 600, je pense que vous pouvez prendre un iPhone 11 Pro Max. Vous trouverez dans les prix. Maintenant, au budget de 500 francs. €500 bah c'est un iPhone 11 Pro. Regardez, vous avez des iPhone 11 Pro à 500 francs. Maintenant, nous reculons au budget de 400 francs. Alors, nous allons voir l'iPhone XR. Ouais, XR. XR, donc il est plus dans les 200 francs. Ça, c'est un reconditionné. Maintenant, on va avoir un iPhone XS parce que ça coûte plutôt cher. Prix. Donc là, 301, on budget 400 francs, ça va. Budget 300 francs, vous pouvez vous offrir aussi un iPhone XS comme ça. Au budget de 200 francs, vous pourrez prendre un iPhone X, 260 francs comme ça, un iPhone X, ou largement vous pouvez prendre un iPhone XR ou X. C'est comme vous vous préférez, ou reconditionné ou pas reconditionné. Bon, il y a aussi les iPhone SE, mais je vous conseille pas parce que sont maintenant on va un budget dans les 100 francs. Donc un iPhone 8 plutôt, qui a toujours iOS 16. Donc c'est déjà bien bon, si le X iPhone 8 aura le prix shopping. Là, vous avez dans les 250. Non, c'est un peu trop cher. Maintenant, on va tester l'iPhone 7.
un iPhone 7. Ouais, iPhone 7, vous pouvez l'offrir pour les 100 francs. Maintenant, vous avez un budget de 50 francs. Un iPhone 6. Un iPhone peut-être 5. Peut-être respectera votre budget de 50 francs. Bon, un iPhone 5, ça va. Il faudrait plutôt le prendre déjà utilisé parce qu'un iPhone 5 9, vous n'avez jamais trouvé comme un iPhone 6 ou 7 9. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Et si vous voulez plus de vidéos comme ça, vous mettez refait une vidéo sur les iPhones. Quel est le meilleur iPhone qualité-prix et quel est un iPhone pas cher mais qui est vraiment bien. On va faire plein de recherches, on va voir des iPhones qui sont pas chers et lesquels acheter, sur quel site acheter. Donc si vous voulez ça, mettez dans les commentaires le mot iPhone. Mettez le mot iPhone dans les commentaires. Juste iPhone, passez le mot à mettre dans les commentaires. iPhone. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker et d'abonner. Bon, je pense que vous savez le faire, ça. Bon, je sais pas, c'est un peu dur à écrire avec ce truc-là. Donc j'espère que cette vidéo de conseil vous a servi. Alors abonne-toi et like pour une autre vidéo comme ça. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu.